Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que toute votre famille se porte bien. On se retrouve pour une petite vidéo de Mams Mirkus. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour nous, vous le savez, ça nous soutient et on se retrouve pour un méga haul. Vous avez été nombreux à me dire dans le dernier vlog, on veut le haul, on veut le haul. Donc c'est parti. Alors, ce haul, essentiellement, il y aura du kiabi, graines de malice. Je sais plus, je vous dirai au fur et à mesure. Et on commence déjà par le haut que j'ai mis. Voilà, ce haut, ce petit t-shirt. Alors c'est vrai que moi je disais à Iliana, on n'en parle pas assez, c'est de kiabi. Moi je trouve que c'est sous-coté, on n'en parle pas assez et pourtant il y a souvent des pépites pour vraiment pas cher. Rapport qualité-prix, vraiment, moi il y a des ensembles que j'ai depuis des années de chez Kiabi et ça bouge pas. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire vous si vous allez régulièrement à Kiabi. Pour une idée, ce t-shirt, moi je l'ai payé 8€ et franchement il est bien, il est agréable et il y a beaucoup de tailles et ça c'est un gros plus. Et en parlant de Kiabi, j'ai trouvé à Iliana ce sweat moyen. Franchement, 9€, incroyable. Regardez comme il est sympa. Et franchement, il est un peu vintage avec les rouleurs comme elle aime. Les couleurs pastel que vous savez qu'Iliana adore. Franchement, pour 9€, moi je valide. J'invite même les jeunes et tout. C'est vrai qu'on parle souvent de Bershka, Shein, on parle souvent de Jennifer et tout, mais moi je trouve qu'on parle pas assez de Kiabi. Donc c'est pas du tout un partenariat, mais moi je trouve que voilà. On continue avec Kiabi. Alors là, pour le coup, je me suis habillée. Voilà. J'en ai marre de toujours avoir les mêmes habits. Et là, j'en avais trop besoin après cet isolement forcé, les amis. Je me suis dit, allez, c'est parti. Alors combien je vais payer celui-là? Ah mince, il n'y a pas le prix. Bon, je sais pas. Je me suis pris ce t-shirt blanc, voilà, avec un effet un peu léopard en relief. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup les t-shirts. Des chaussures un peu léopard comme ça, donc j'ai dit à Iliana, je le prends. Et d'ailleurs je me suis acheté une veste, je vais vous la montrer. Laissez rentrer la daronne Mams Mirkus. Non mais d'un coup je me trouve très, comment dirais-je, grande dame, voilà, je fais très grande dame, vous voyez, comme ça, là, je sais pas, je me suis acheté une petite veste avec épaulette, ça faisait très longtemps que j'en voulais une, de toute façon, je vais vous mettre des plans après, habillée comme ça, je vais vous mettre les habits, et ça fait très longtemps que j'en voulais une, et surkiffe, elle est un peu longue, j'adore, et je me la pète, hein. Bon, là, je vais l'enlever parce que sinon, je vais canner. Mais voilà, et cette veste, elle était à moins 50%, je l'ai eu à 15€, voilà, 15€ chez Kiabi. Allez, je la mets derrière, j'ai tombé les fleurs. Oh couillon, j'ai essayé de cacher cette prise qui est moche. Pour le moment, c'est moi, voilà, je vous montre ce que je me suis acheté. Celui-là, c'est un kiff, 12€, c'est une petite pépite, je vous le montre, regardez-moi comme il est mignon, regardez-moi cette collerette en dentelle, les amis, elle est pas trop cute, les amis, oh, je l'adore, il est un peu très doux avec des manches boursouflées, je sais pas comment on dit, alors ça c'est le style de manche que j'adore. J'ai trop hâte de l'essayer. Moi, je dis, je valide. Après, suivant, quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, ça, c'est des basiques à Myron. Bon, des sous-pulls hein, basiques. J'ai pris Amédi Akiabi, toujours on continue. Ce pull à 12€. Regardez comme il est sympa, franchement. Il est... Moi, franchement, je valide. Moi, j'aime beaucoup Kiabi. Très cute, très simple, très... Très automne, voilà. Petit pull simple. Moi, je me suis pris un jean. 20€, mais je l'ai pris taille haute. Je sais pas si on voit. Avec des boutons comme ça. De toute façon, je vais l'essayer. Je vais vous montrer. C'est un skinny. Et en bas, c'est tout serré. Je crois, de mémoire, que je n'ai que des jeans ou des pantalons de chez Kiabi ou alors graines de malice.
J'adore aussi cette marque crème de malice. Je disais, bah écoutez, je les jette, mais franchement, je les garde facile 2-3 ans. Trop bien dedans. Et là, il y a taille ajustable. Alors, ça, c'est génial en plus. Allez, on fait le pliage à la Marie Kondo. Ça sert à rien parce que je vais le déplier dans quelques minutes. Alors maintenant, mon cerveau a tellement pris l'habitude de plier comme Marie Kondo, quoi. Qu'est-ce que j'ai pris là? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pris le pantalon basique en iron comme ça. Alors combien j'ai payé? 10 euros, voilà. Vous voyez, avec des petits détails comme ça. Très basique. Très simple. À l'allure où il me fait des trous dans les pantalons, j'ai envie de vous dire que ça suffit largement. Le super promo à Kiabi, c'était un pyjama acheté, le deuxième à 1 euro. Donc du coup, Myron, il s'est acheté les pyjamas et en gros, j'ai payé 9 euros les deux. Donc il a pris celui-là, regardez, avec un biker et le pantalon, il est très simple aussi. Mais voilà, c'est des basiques que j'ai pris en 10 ans parce qu'il grandit. Et c'est vrai que Myron, par contre, il a du mal à se séparer de ses pyjamas. Et chaque fois, il me dit, non, mais j'en ai. Je dis, mais Myron, ils te vont pas les pyjamas, il faut arrêter là maintenant. Non, mais c'est bon, j'en ai. Et c'est vrai qu'il a du mal à se séparer de ses plus anciens pyjamas. Alors, je sais pas si chez vous, c'est pareil. Mais du coup, il faut des fois se séparer parce qu'il y en a, ils ont des trous et tout. C'est abusé, quoi. Ça, c'est le deuxième. Il en est trop simple. Et le pantalon, il est comment? Oh, il est trop mignon, le pantalon. Regardez. Il est trop mignon. Il y a des petits hamburgers, des tacos, des frites et des hot dogs. Donc, ça va aller vraiment le coup. Et encore, et je pense aussi que c'est valable sur le site. Au pire, je vous le mets là. Je vais aller vérifier après. Plus chez Kiabi, je crois. J'ai été à Decathlon. J'ai trouvé à Myron cet ensemble Puma, je crois qu'il est en 20 euros l'ensemble. Et Myron est fan du rouge. Il m'a dit direct, je veux maman gros avec le pantalon. Voilà. Et c'est vrai que je suis étonnée, ça revient de plus en plus avec les fermetures éclair en bas. De moins en moins, et c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Je me suis repris des petites boucles d'oreilles comme vous voyez là que j'ai sur moi. Je les ai repris en lot. Bon là, elle est tombée, mais elle est juste là, j'ai perdu le fermoir. J'ai pris, voyez, ce petit lot tout simple. J'adore. Voilà, c'est des basiques que je mets depuis des années. Et c'est les boucles d'oreilles qui me vont le mieux. Un petit tour chez H&M. Alors, je savais même pas qu'H&M faisait du beauté. Je me suis pris ces Beauty Blender. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Je vous avoue. Je vous dirai ça sur Insta. Mais j'ai pris deux formes différentes. Je savais pas du tout qu'ils faisaient de la beauté ou même du make-up H&M. Dites-moi là en commentaire si vous le savez. Parce qu'il y en a, elle s'est pris ce lot de gloss. Il y en a, sur elle aime pas trop se maquiller, mais elle aime bien quand même mettre un peu de mascara ou de gloss. Ah, ils sont sympas. Il y en a un pailleté, un peu plus blanc, faites voir. Ah oui. Oh, ils sentent bon. Ben écoutez, petit gloss bien sympathique, je pense qu'Iliana, elle va adorer. On a pris des basiques, voilà, des pantalons basiques comme ça à Myron. Et regardez ce qu'il a trouvé. Regardez ce qu'il a trouvé, les amis. Le sweat Jurassic World. C'est trop mignon. Combien je l'ai payé celui-là? 17 euros. Moi, il est un peu, il est pas donné quand même. On paye Jurassic Park là. Là, on paye le prix. Le prix Jurassic Park. Il y a plein d'articles qu'il y en a, on a pris. Mais impossible de les retrouver. Alors, soit les a déjà mis, ou soit les a cachés dans sa chambre. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous montrer. Elle vous montrera ça sur son Instagram. Vous disiez que j'adore Graines de Malice. Et là, il y avait des promos en plus chez Graines de Malice. Beaucoup de 50%. Moins 60% même, j'ai eu. Je suis à deux doigts d'aller sur le site internet. Je ne sais pas si l'offre, elle y est encore. Je suis très étonnée de voir que hors solde, il y avait des promos conséquentes comme ça et de partout dans tous les magasins. Et je pense qu'en fait, ils ont besoin d'écouler leur stock. Et ce petit haut, alors c'est Iliana qui m'a dit, maman, il est trop beau, prends-le. Il était à 27 euros, il était à moins 40, il paye 16 euros. Voilà, il est mignon. Je vous mets de toute façon après quand je l'ai porté. Voilà, je trouve sympa, franchement, avec les motifs des dames. Et je me suis pris un jean, voilà. Alors celui-là, ça va être une grande première. Je me suis jamais pris de jean avec des effets comme ça à la fin. Il était à 10 euros. Moi, j'aime enlever les étiquettes dessous pour voir si on s'est arnaqué. Non, ça va.
C'est toujours moins 60. Bon les amis, vous êtes prêts pour les essayages? Allez, je vous embarque, je vais essayer. Agréable aux portées. Il se met un peu comme ça. Bon, franchement, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi de donner tes... Allez, mettez-moi des notes en commentaire. Celui-là, j'aime bien. Il est agréable en tout cas. Il est tout doux et le petit... Ouais, franchement, je valide. J'ai réveillé le Furby. Alors, regardez, je vous montre. Oh non. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez comprendre. Lui là, lui, il me met la vie dure. C'est pire qu'un gosse. J'ai plus les gosses, j'ai lui maintenant. En fait, j'ai retrouvé dans le garage. Et je me suis dit, est-ce que je le garde si je le garde pas? Mais en fait, j'ai un petit coup de cœur pour lui. Mais il me casse les bonbons. Alors du coup, ben là, il vient de se réveiller parce que j'ai jeté le t-shirt sur lui. Bon, on est sur un jean coup de cœur, les amis. Mais réel coup de cœur, je vous le dis. J'ai déjà un rose basique comme ça. Je suis en kiff. Agréable, vraiment, j'adore. Par contre, on a un problème. Je pense que c'est pour ça qu'il était à 10€. C'est qu'en fait, il manque un bouton, les amis. Bon. Écoutez, c'est pas grave, je rentrerai comme ça. Agréable. Vraiment, vraiment, je valide. Je valide cette marque. Ça, c'est Grain de Malice, le bas. Et le haut, c'est Kiabi. Regardez, il est sympa. Hein. Avec la veste de Daron. Non mais bonjour, Mme Smirkus, je viens pour l'entretien à la banque. Regardez, attendez. Elle est belle? Elle est belle la veste? Bonjour, attendez, je m'arrête. Je pose un peu comme ça. Non mais aujourd'hui c'est tout sauf moi. Je sais pas faire, mais des fois j'aime bien me mettre en bombe. Bon voilà, la veste j'adore, je valide. La longueur, franchement j'adore. Moi j'aime bien, voilà. Il me manque un petit sac. Petit sac, de toute façon vous savez ce que j'ai envie de vous faire? De tester des sacs accessoires ou même des habits d'Amazon. Dites-moi là en commentaire. C'est des petites idées de vidéo. Ah pépita les amis, oh, j'adore, j'adore. Regardez-moi. Attendez, regardez. Hop, petite manche bouffante, je valide, j'aime trop le col, j'aime trop m'acheter des habits, ça y est, nouvelle résolution, m'acheter plus d'habits. Mme Smirkus vous fait le haul. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci du soutien, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je crois que la reine des pranks va frapper, je dis ça, je dis rien. Je vous dis à très vite. Je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.